Hola, amis développeurs de Windev. Annonce de Thierry, attention. Je vais reprendre des masterclass. Les deux que je prévois pour ce mois-ci vont avoir un thème intéressant. On a déjà même parlé dans certains posts de LinkedIn ici. Le thème de cette masterclass, mais c'est quoi Thierry, c'est quoi? Je vais te le dire, silence. On va parler de la manière de générer des données test pour qu'on puisse tester nos applications, mais attention, des données fictives, réalistes. Et donc, on va utiliser pour ça l'IA, ChatGPT notamment, et on va voir également comment générer des fichiers qu'on va pouvoir importer directement, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est du code Python qu'on va pouvoir utiliser également pour générer des données fictives. Une fois que ces données seront générées, eh bien, on va voir dans cette masterclass comment les importer dans notre base de données, et particulièrement sur une base de données qui n'est pas toute simple. Voici le petit exemple ici qu'on va utiliser. Il y a des relations, il y a des intégrités à respecter, et donc on va voir comment s'agencer tout ça pour pouvoir faire des données fictives. Les tester et tester notre application, on va voir si les choses sont cohérentes, particulièrement quand on veut faire un tableau de bord, par exemple. Voilà donc le programme. Alors c'est quand, c'est quand, c'est quand? Eh ben attends, je vais te le dire. C'est jeudi 24 octobre, donc c'est bientôt, hein. Jeudi 24 octobre à 14h. Ou alors, je vous prévois une deuxième date pour ceux qui sont plutôt lève-tôt. Ce sera le samedi 26 octobre à 9h30. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien sous la vidéo. N'hésite pas à cliquer pour aller au moins regarder. Inscris-toi rapidement parce que les places sont limitées quand même. Et même si j'ai de la marge. Et puis voilà, hein. Voilà l'annonce échette. Masterclass, jeudi 24, samedi 26, sur l'IA, générer des données fictives pour Windev et exécuter du code Python dans Windev. Tout un programme. Eh bien écoute, si ça t'intéresse, on va sûrement se revoir là-bas.